Bonsoir à tous et bienvenue dans les archives interdites. Ce soir, je vous présente Evil Nun, The Broken Mask. C'est un survival horror en accès anticipé. Vous avez été invité à un camp d'été religieux. À votre arrivée, vous remarquez que le camp est très différent de ce que vous imaginiez. Quand soudain, une nonne vous assomme avec un marteau. Vous vous réveillez dans une école abandonnée et devez réussir à vous échapper, tout en évitant de vous faire prendre par la terrible nonne. Le jeu me fait personnellement penser à Hello Neighbor dans son gameplay. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cela. Donc je vous invite à prendre place. Et que le cauchemar commence. Bon, le jeu est en difficulté max, hein. On va voir ce que ça va donner. Si c'est trop infect, on baissera. Ok. Ouais, t'arrêtes la vieille, la fin de tuer. Oula. Ok, c'est direct. Jour 1. Je dois être sage. Je suis Ruth Jackson et je serai sage. Ok, je dois être sage alors. Échappez-vous de l'école avant que Sœur Madeline, la nonne diabolique, vous attrape. J'ai une petite statuette. I know you're nearby. Lâchez l'objet pour en prendre un autre. Je peux me cacher. Ok. Alors attends, il y a des trucs à ramasser ou pas? Un conduit. Peut-être mieux de passer par le conduit. Ça pue. J'ai vu de la lumière là-bas. Oh putain, je suis mort. Oh putain, elle trace, hein. Ouais, ça va être trop dur en vrai. Hein. Je pense que ça va être trop dur comme ça. Là, ce conduit, je peux pas l'ouvrir, si. Bah, je dois aller où en vrai, quoi. C'est quoi ça? J'ai un objet, ouais, c'est un livre, on s'en fout en vrai, non? Je peux pas ouvrir ça? Y'a que dalle ici. Porte. Je suis caché là en vrai ou pas? Et un autre conduit. Je suis dans une autre chambre. Ah ah, il y a peut-être quelque chose ici. Oh putain. Oh. Oh, elle peut passer. I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Putain, d'accord, elle peut carrément passer comme ça quoi. Jour 2. Ah ouais, OK. Super. Je dois être sage. Est-ce que je peux avoir... Y a quoi dans le livre, là? Je peux pas le lire? Mystérieux appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Uh-huh.
je vais regarder s'il n'y a pas des choses à checker ici. La porte, elle est ouverte. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas la première victime de cette tromperie. Je vais vous aider à sortir si vous promettez de suivre mes conseils jusqu'au bout. Faites-moi confiance, je vous laisserai d'autres lettres comme celle-ci. Ok. Non, je suis dans ma cellule. Je suis en train de prier. Je suis dans ma cellule. Qu'est-ce que tu fais là? Eagle Junior High School with good girls and boys. Bon. Je pense qu'on va baisser quand même un peu la difficulté parce que là, sinon. Dernier jour. On va continuer quand même comme ça. Ouais, ces gens-là, c'est quoi si. Si je meurs, je suis game over. J'aurais pas fait long feu. Hein. En même temps, elle trace de ouf. Hein. Journal des quêtes. Traverser le pont, trouver trois fusibles, placer la boîte à fusibles, regarder en haut. On va contenir des boîtes de cookies. Ok, d'accord. Oh putain. Allez, casse-toi! Les rats ici, ils te mordront tant que tu resteras caché. C'est bon, elle est partie. Je peux pas sortir par la porte d'entrée, ça m'étonnerait, ce serait trop beau. Quoi, je peux sortir comme ça? Ok. J'aurais pas cru que je pourrais aller dehors. En vrai, je peux pas escalader là. En vrai, moi j'escalade, je passe au-dessus du mur et terminé, je me casse. Hein. Hop, fin. Hein. J'ai besoin d'une clé spéciale pour l'ouvrir. Ok. Est-ce que je peux pas faire quelque chose à partir de dehors? Enfin, à mon avis, il va falloir que je baisse la difficulté, sinon ça va être du grand nimps. Sachant que déjà, je sais pas du tout quoi faire. Voilà, vitesse où elle se déplace. C'est même pas la peine, je me fais déglinguer en une seconde, quoi. Je suis déjà mort deux fois, même pas 10 minutes. Ah, y'a quoi là-bas? Peut-être ouvert de l'autre côté. Putain, ça a l'air assez grand quand même. En vrai, genre tu peux pas passer là, quoi. Ils auraient dû mettre genre un truc genre des barbelés, tu vois, ou un truc qui fait que tu peux vraiment pas passer parce que c'est un peu ridicule en soi, quoi. En plus, c'est de la vieille tôle, tu vois. Je veux dire que moi, je suis à la place du mec, je mets des coups de pompe et la porte, je l'ouvre. Hein. Il y a trop de lumière en plus. Bon, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Ça, c'est pas une lettre? On peut pas lire le livre? Y'a rien? Y'a pas de place pour faire tomber l'objet. Oh merde, je suis mort, je viens de me tuer. Je viens clairement de me tuer. Oh putain!
fait une petite partie de cache-cache avec la nonne. Je crois qu'elle est partie. Oh, elle avance trop vite. Hein. C'est pas faisable. Hein. Le jeu est clairement pas faisable comme ça. Hein. Elle trace trop. Hein. Trop angoissant, j'ose pas avancer. Bon. On est revenu ici. En plus, les conduits, ça me protège même pas, quoi. Est-ce qu'elle peut passer par les conduits? Elle est là. Y a pas une autre lettre? Il me faudrait que je trouve une autre lettre du mec là qui pour me un peu me comment dire me m'aiguiller sur ce que je dois faire. Putain, je tourne en rond en vrai. Il y a une lettre là-bas. Je vais cru entendre des pas. Non, c'est bon. Et il y a même un étage. Attends. Vous pouvez jeter des objets pour attirer Sœur Madeleine dans les lieux stratégiques. Ensuite, échappez-vous. Ouais, bah ça, j'avais compris. C'est quoi ça, une statuette? Je m'en branle. Bon, je vais la prendre, hein, au cas où, hein. Peut toujours servir pour la... Ah, elle peut pas venir ici, alors, du coup. Un fusible. Quoi, je suis obligé de... Putain. Mais moi, je veux pas le... Je veux pas le lâcher pour qu'elle fasse... Pour que ça fasse du bruit, en vrai. Je veux juste le lâcher par terre, quoi. Mais... Je vais devoir le lâcher faire du bruit. Ça, c'est un peu con, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait, mon gars? Voilà, là je viens de me tuer. Et voilà, je suis mort. You'll meet the others soon. C'est un peu con ça quand même. Hein. Et du coup, je suis game over. J'ai été puni, je vais devoir travailler à la buanderie. Ok, donc là c'est tous les succès. Ah, donc j'étais bien game over. De toute façon, je vais faire une nouvelle partie. Hein. Ah oui, je vais effacer. Wow, on va aller faire en difficulté normale. Hein. Il y a quoi en facile? Fantôme. Ne peut pas vous voir ni vous entendre, ne peut pas vous tuer, elle se déplace normalement, putain. Ne peut pas vous tuer, je vous vois pas. En fait, c'est vraiment si tu veux faire que l'histoire, quoi. Je suis Barbara Campbell et je serai sage. Bon. Aucune quête active. Putain. Il
Il est un peu massant sur le lit. Oh putain, elle est juste là. Ah non, on dirait même pas elle. Ah bah si, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain de merde. Oh, je peux grimper là? Oh putain! Ok, j'ai la première note. Je peux grimper là-haut, non? Ah. Alors, traverser les trois fusibles, ouais. D'accord. Ce sera déverrouillé lors d'une prochaine mise à jour. Bon. Trop de portes. Alors là, il y a un fusible, je crois. Faut que je le mette où ça? Trouver le trois fusibles et placez-le dans la boîte à fusibles du deuxième étage. Un dans la cuisine, un dans la salle à manger et un dans la chambre d'une nonne. D'accord, en plus ils me disent où est-ce que c'est. Faut que je retourne au deuxième étage. Faut que je trouve l'escalier là. Merde. J'ai pas de carte, bien sûr. C'est quoi? Oh, c'est votre photo, on s'en branle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Just a couple more sledgehammers, and you'll be ready to work in the laundry. Putain! J'ai l'impression en fait de jouer à Hello Neighbor. C'est ça en vrai. Hein. Ouais. Dans la cuisine, un dans la salle à manger. Stop making noises. Dis pas qu'elle va venir dedans. Oh putain. Elle est quand même beaucoup moins rapide que en mode cauchemar quoi. Peut pas ouvrir ces trucs là. C'est quoi la pièce ici? J'arrive pas à comprendre la baraque. Elle est où la cuisine? La cuisine! Oh putain de merde! Allez, cours, cours! Je les mets? Oh, je monte direct. Bah les couilles. Ok. Ça doit être la salle à manger ici. Je peux me cacher sous les tables? Yes. Est-ce qu'elle vient ici? Il y a une main là. Il y a rien? Une autre main?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là qu'il faut mettre les fusibles. Ok. Moi, je sais où est-ce qu'ils sont les fusibles et où est-ce qu'il faut que je les mette. Donc là, c'est la salle à manger ici, alors. Non, c'est la cuisine. Il y a un fusible, là. Je le savais. Ok. Alors, oh, il m'en faut un dans la cuisine. Ici la cuisine. Il est là. Putain, elle est en haut? Elle est là? Putain, les bruits de pas, ils sont trop forts. Don't think I haven't heard that. Elle a entendu du bruit. Je sais même pas où je suis là. Je suis redescendu? Putain, mais il est super grand le deuxième étage ou... What the fuck? La baraque, elle est immense en vrai. Hein. Ça ouvrirait une porte là. Oh, je suis dans la merde. Oh non! Putain, mais genre, elle vient pile à l'endroit où je suis, quoi. Don't worry, I'll take care of you as you deserve. Ah là, de là, j'ai plus de jours. Il n'est pas écrit dernier jour. Putain. Regardez en haut. Après avoir traversé le pont à la pièce voisine de l'entrée principale de l'école, suivez les indications du tableau. Boîte de cookies. Bon. Je vais essayer de retourner dans la chambre, hein. Faut le fusible de la chambre. Bah, il est où? Il y a l'endroit où je suis mort? Putain, je suis mort où? C'était ici. T'as la baraque, elle est gigantesque en tout cas. Hein. Il y a une lettre là, non? Ah ouais, bah. Les enfants perdus pleurer, fais-moi confiance et nous pourrons les sauver. On va pas descendre là quand même. Oh putain, si elle descend. Relève-toi! Oh putain de merde! Oh putain de merde. Il y a l'autre fusible qui est là. Oh, elle est juste là. Oh putain. How many times do I have to hit you with my hammer? Oh, sa mère, ça fait trop bader.
Oh ta mère! Ah ça pue! Oh je suis bloqué! Mais là je bouge plus. Le dernier fusible, faut que j'aille le retrouver. Et putain, ça va être la mise. Elle est où? Des fois, cette connasse, elle arrive sans bruit. Bon, le fusible, il était où? Oh putain, elle est juste là? Elle flotte. Flotte. Putain, il était où le fusible déjà? Je me fais tuer dans le coin là à peu près, je crois. La dernière fois, ouais, c'est là-bas. J'étais repassé par le conduit là. Ici, ici dans le coin, non? Genre, tu, putain, m'a vu d'ici, quoi! Putain, elle m'a vu trop loin! Ah voilà, il est là. Hop. Allez. Ah, elle vient de passer par là-bas. Sûrement pour essayer de m'attraper. Putain. Si elle continue de partir par là. Pas de soucis, ça m'arrange. Si elle fait demi-tour, je suis dans la merde. Allez, je vais réussir à mettre ce putain de fusible. Ouais, en 3 nuits, franchement. Plus à la vitesse où elle speedait en mode difficile, infaisable. Bon, ok, je peux remettre le fusible. Peut-être actionner. Ok, je vais pouvoir sortir par la porte, le courant, ouvrir la porte en métal. Ok, c'était la porte dehors que j'avais vue. Je vais passer de l'autre côté, hein. Les escaliers, ils sont là. On se casse. On va sûrement descendre les escaliers. Hop, on ferme les portes. On s'arrache. Porte en métal, c'était celle-là, non? Merde, non, c'est pas ici, c'est l'autre. Par contre, après, ils me disent de regarder en haut après traverser le pont. Vous avez besoin d'un objet long. Ok. Par contre, j'espère que cette porte-là qui s'est ouverte, quoi. Bah. Ils sautent de ma gueule ou quoi? La porte en métal. Quelle porte en métal? Merde. Et merde.
Je ne suis pas encore sorti d'affaire. Je ne suis clairement pas encore sorti d'affaire. Allez, hop là. Oh putain. I can't wait to put a mask on your stupid face. Juste là. J'ai trop envie de sortir maintenant. Moi, j'aurais pas dû. Je serais sorti, je serais mort. Putain, elle remonte, hein, cette salope. Hein. Peut-être ça la porte en métal. C'est même sûr que c'est ça d'ailleurs. Oh putain de merde! Ah, la porte ne s'ouvre pas! Oh putain! Oh non! Non! The next time you disobey me, I will hit you harder. Putain. Jour 4. Ouais, vu le coup de masse que je me prends, j'aurais être mort, non? Je serai sage. Bon. Je commence un petit peu à connaître la baraque. Ouh, j'ai un vieux freeze là. Ils me disent de regarder en haut, je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. Après avoir traversé le pont dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école, suivez les indications du tableau, vous aurez besoin d'un objet long. Je peux pas fermer la porte ici pour pas qu'elle vienne. Ah bah maintenant je squatte ici forcément. Oh putain. Oh non. Dégage. Oh mais non mais what. I hope your body can withstand this punishment. Oh sale. Otherwise I'll have to bury you. Dernier jour. Non, non. C'est ma dernière chance. Je suis pas d'accord, là. Je me suis fait un peu éclater en mode pas très legit. Hein. Bon, merde, hein. J'ai pas envie de me retrouver dans la buanderie une deuxième fois. Mais ta mère la pute! Porte verrouillée. Je me casse. Je me casse. Ok, je peux me cacher dans l'ombre ici. Je pense. Regardez en haut. Ok, il y a une porte ici. Porte verrouillée, ouais. Ici. Je peux pas sortir. Moment de calme et de repos près de cette fontaine. Ouais, j'ai une bonne planque ici en vrai. Hein.
Je vais me planquer là. Je sais pas si c'est une bonne planque, mais ça passe à mon avis. Ok. Dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école, je suis les indications du tableau. Mais quel? Peut-être ce tableau-là? Oh putain, ça a l'air grand ici, hein. Y a quelqu'un? Je vois pas de quel tableau il parle là. Enfin, peut-être non, c'est pas ce tableau-là, non? Et dans les chiottes. Peut se cacher dans les chiottes, vous pensez? Bon, dans tous les cas, on va se promener, hein. Ok, où est-ce qu'on est ici? C'est une scène. Ah ouais. J'ai besoin de quelque chose pour retirer les clous. Il va me falloir un marteau. Y a un truc, non, là-bas? Ok, on peut le prendre. Ouais. Pour faire du bruit, on va éviter. Alors. Je trouve la clé, je pourrais enfin sortir. Effectivement. T'as par contre se cacher là-dedans, notre personnage, il doit être très petit, hein. Ah, c'est ça les instructions du tableau. Frapper avec un objet long, d'accord. Faut que je trouve un objet long. Ah bien pareil, bah vite! Je vais encore passer pour un gros bof. Par contre, elle est plus là? Il me faut un objet long. En vrai, ça, non? Chandelier, je sais pas. Oh bah. Un balai. Par contre, je crois que j'ai dû la faire bugger là-bas, mais parce qu'elle est plus là du tout, la meuf, hein. Ouh. Pied de biche a fait beaucoup de bruit, mais. Alors, boîte de coups, elle doit contenir quelque chose d'important, impossible d'ouvrir. Peut-être faut-il le faire tomber d'un endroit le plus haut possible, quoi? Oh putain de merde. Peut-être que je vais pouvoir retirer les clous, hein. Salope. Il n'y en a pas deux quand même. C'est une putain de planque de merde! Stop behaving like a little child. Face me. Planque de merde, mais cette planque m'a sauvé. Et putain de merde. Come with me. Et merde. Elle est où? Elle m'a pas vu. Je peux me cacher sous la table? Est-ce que c'est une planque valable? Parce que si je dois arracher les clous et que chaque clou fait du bruit, nique sa mère, il va me falloir 3 quarts d'heure, hein. What? Oh putain, ta mère. C'est le cas.
Oh la salope! Ah oh, putain! I just want to teach you how to be a good child. Do you think you're behaving like a good child? Allez, oh, allez! Je sais pas où est-ce qu'elle est, je la vois pas. Next time, I'll teach you how to be good. Oh, j'en ai enlevé plein d'un coup. Sa mère, j'avais pas en enlevé un à la fois, demain je suis encore là. Hein. Elle est partie où? Elle est en train de monter sur la scène. Putain, elle est où? Une touche pour tu sais pour jeter un oeil. Oh, ta mère, mais je suis bloqué. Keep writing on the board if you don't want to get hammered. Elle est vraiment plus lente, hein. Mode difficile, elle m'aurait déjà démonté au moins 40 fois quoi. Faut que je lâche l'objet pour en prendre un autre. Ok. Elle est où? Allez, viens, salope. Come here, brat. Oh, mais j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le tableau qui est tombé comme ça, quoi. Faut que je récupère la boîte de cookies. Apparemment, que je la jette de la hauteur. D'une hauteur, ouais. Elle doit conduire un petit peu ouvrir, peut-être faire tomber le plus haut possible. Ok. Alors. Il y a une porte là-bas. Peut-être elle va mener. Putain, je sais pas où est-ce qu'elle est. Oh, ou peut-être là, non? Non. Pas la jeter d'une fenêtre, non. On va suivre les gaines d'aération. Peut-être avoir un truc, je sais pas. J'ai l'impression parce que c'est la dernière nuit. Et, putain, j'ai avancé quoi. J'aime bien avancer sa race. C'est même pas dehors là. Cul-de-sac. Ah oh, putain, je sais pas où est-ce qu'elle est, c'est chiant. Elle a ouvert la porte là. C'est là où je voulais aller en plus. Il y a une échelle. C'est forcément. Putain, salope. Elle m'a vu. Vas-y, viens par là. Allez hop, ciao. Ah, dis, touche pas ma boîte, c'est très délicat. Ok. Hop, je grimpe. Je peux me grimper encore là-haut là? Grimper là. Avec la boîte s'est ouverte. Elle s'est ouverte dans une cheminée, il m'a l'air.
La cheminée du bâtiment. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Faut que je regarde par rapport à la zone. Ça doit se trouver forcément sur la droite. Oh, je sais pas où est-ce qu'elle est là, putain. Ok, elle est pas là-bas. Mais descends. La cheminée, elle doit se trouver là-bas, du coup, sur la droite. Ok, elle vient de passer. Ok, parfait, elle va dans la direction là-bas. C'est bien à l'opposé. Non, ça peut pas être là. Attends, ça monte là? Non, ça descend même. C'est même la cave. Accident au coin là-bas, non? Ah, mais c'est lock. Moins que ce soit dehors? Je vais aller dehors. La cheminée, elle est où? Ah non, elle était là, donc ça doit être ici dans le coin. Oh putain de merde! Please help me with this disrespectful child. Oh, franchement, elle peut pas me trouver ici. Impossible. Oh non, non, viens pas là, s'il te plaît. Déconne pas. Je préfère limite me barrer, tu vois. Je pense qu'il faut que je descende dans la cave. Moi, je sais qu'elle est dehors. Ouais, y a pas. Eh, ça se doit forcément se trouver dans le coin là, et je suis sûr que c'est en bas. Un endroit bien glauque, en tout cas. Qui nique les yeux, sa mère. Alors, ah, la boîte à cookies. Ah, la clé de la porte principale. Putain, si elle vient ici, je suis dans la merde. C'est pas de brain, salope. Je me casse. Tu m'attraperas jamais. Ah putain. La sortie. Oh. Non, va arriver, mais moi je me casse d'un instant à l'autre. Allez, ciao! Elle me poursuit même pas. Cette école est bien plus animée qu'elle n'y paraît. Qu'est-ce que c'est? Uniforme, vêtements, ouais. J'aurais peut-être pu m'échapper par là, non? Ou bien non? Ah. Ah ouais, il y avait le truc là, je sais pas c'était quoi ça.
atteignez le pont, hein, d'accord. Attends, il y a quoi? Échappez-vous par la porte principale sans être vu. Oh, chaud. Hein. Échappez-vous par la porte principale dès le premier jour, en difficulté cauchemar, MDR. Échappez-vous par la porte, hein. Échappez-vous par la porte principale, ouais, sans déclencher l'alarme, ok. En vous cachant dans le van. Avec le van sans être vu. Échappez-vous avec le van dès le premier jour. Ah, il y a carrément, on peut s'échapper avec le van aussi. En vous accrochant au toit. Faites en sorte que le van écrase Madeleine. Ah, d'accord. Échappez-vous en moins de 5 minutes. Terminez une invasion en mode fantôme. Wow, fantôme, c'est easy. Terminez le mini-jeu de la chambre rose. Faites participer la nonne à un rituel satanique, quoi, mais... Mais est-ce que c'est possible, ces trucs-là? Tu seras disponible en une prochaine... Ah non, donc ouais, non, tu peux le... Attends, la prochaine... Ah non, ça d'accord, je peux pas le faire, ok. Cette réédition sera disponible lors d'une prochaine mise à jour. Mais on peut s'échapper quand même par le van, apparemment, ok. Bon, c'était... Bon, c'est un petit jeu sympa, faut voir en plus ce qu'ils vont faire avec les prochaines mises à jour. Bon, c'était marrant, c'est quand même super stressant parce que bon, voilà, t'es tout le temps aux aguets. Après, bien entendu, faut pas jouer en mode cauchemar. En mode cauchemar, tu te fais littéralement éclater. Bah, y a forcément des gens qui y arrivent, mais bon. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous avez pensé du jeu en commentaire. À aimer la vidéo, à la partager, bien entendu, si ça vous a plu, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Archives Interdites. Si vous survivez jusque-là.